Joseph Félix Badjo, qui jusqu'à présent considéré comme ses voix assassinat Jovenel Moïse. T'es parlé avec le Premier ministre Ariel Henry avant et puis après Zakla. C'est en tout cas révélation réseau national cap défendre droit mounio. Révélation NDDH, le rapport 28 pages, je mettais des organisations droit mounio expliqué coordonnateur. Coordonnateur, sécurité président Jean Laguelle, civil, t'es gros l'agent Namel pour pays sécurité, pour faciliter quoi à bien passer. En nous permettant tout gain, yon résumé rapport ça, nous pral baou yon résumé rapport ça, amis auditeurs, réseau national cap défendre droit mounio souti sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. Là. C'est yon rapport qui gagne 28 pages là-dedans, gagne plusieurs points qui parlent, li parmi yo. C'est Joseph Félix Badjo qui jusqu'à présent considéré comme ses voix assassinat Jovenel Moïse a été par le Premier ministre Ariel Henry avant et puis après Zakla. Dans la nuit 7 juillet, Ariel Henry était dans le téléphone avec Joseph Badjo, Félix Badjo qui impliqué dans la planification et coordination assassinat ancien président Jovenel Moïse selon RNDDH. Réseau national cap défendre doit mounio présenter conclusion investigation. Les menés un rapport détaillé 28 pages qui publié dans la date vendredi 20 août là, parmi toutes révélations qui fait organisation cap défendre droit mounio avancé dans la nuit même assassinat pour ministériel Henri t'est parlé dans téléphone non seulement avec Joseph Félix Badjo mais t'est parlé tout ensemble avec président Jovenel Moïse avant pendant et puis après assassinat Jovenel Moïse téléphone moun sa nous sorti cité là et puis moun yo t'est arrêté yo t'est constamment en contact qui donc ça a dit te parler et temps en temps Joseph Félix Badjo qui impliqué dans planification et coordination et puis mission principale là c'était arrêté puis tué président et téléphone à Joseph Félix Badjo selon rapport yo téléphone Félix Badjo t'es dans périmètre là environ le périmètre qu'a ancien président Jovenel Moïse et puis il était en contact serré avec plusieurs personnalités parmi eux actuel premier ministre Ariel Henry et puis juge Wendell Kokatelo. Mission initiale là même j'ai en pile qui était dans le commando, c'était comme ça, c'était arrêté président Jovenel, ancien président Jovenel Moïse sous base, yon mandat qui était lancé contre lui-même dans la date 18 février 2019. Là, c'était magistrat, instructeur Jean-Roger Noël Seyus, fait qui était reproché ensemble avec ancien président Jovenel Moïse, c'était pour assassinat perpétré dans le cadre de massacre La Salina qui était fait à 13 à 14. En novembre 2018. Après arrestation, président Jovenel Moïse a été remplacé par Christian Emmanuel Sanon ou bien c'était juge Wendell Kokatelo qui était remplacé. RNDDH a dit apprendre 14 moun qui étaient principalement impliqués dans la préparation initiale mission ça, c'était pour arrêter Jovenel Moïse. Il était en communication constante avec Dimitri Hera et puis Jean Laguelle Civil avec John Jurel Joseph. Mission majorité monde qui était dans le commando mission yote connaît mission c'était procéder ensemble avec arrestation en Jovenel Moïse tandis que gen l'autre membre qui était connaît Jovenel Moïse a t'apral assassiné l'autre membre dans commando et en DDH prend comme preuve le fait que président Jovenel Moïse commando a quitté la caille président Jovenel Moïse était identifié il était identifié ancien président Jovenel Moïse avant même yo criblé en bas balle yo pa bay yon moun 12 à 15 balles si c'est pas mission initiale là c'est pas pour te tuer d'après ça nous capable li dans rapport ça depuis premier coup de zam t'es commencé chanter dans périmètre
caille Jovenel Moïse là, et ben il était qui t'a passé quelques appels. Directeur général à IPNH à Léon Charles, coordonnateur sécurité, commissaire divisionnaire Jean Lagel civil, avec responsable USGPN commissaire Dimitri Era, président Jovenel Moïse t'a contacté tout moun sa yo. Nous avons Léon Charles qui c'est directeur général à IPNH là, coordonnateur sécurité, commissaire divisionnaire Jean Lagel civil, avec responsable USGPN commissaire Dimitri Era. Yo tout te promettre y a voué renfort immédiat. Cependant renfort yo pas jam vini parce que monsieur ça nous fait référence à Jean Lagel civil et puis responsable USGPN Dimitri Era, yo était en complicité avec assaillant toujours d'après rapport si là. Jean Lagel civil t'est chargé pour capable te gen gros l'argent dans mail pour payer sécurité pour faciliter quoi bien passer l'argent ça c'était $100,000 environ $100,000 américains pour capable mettre en œuvre plan yoté gagné auteur intellectuel avec matériel assassinat est capable compter sous appui au moins deux responsables sécurité présidentielle là à savoir commissaire divisionnaire Jean Lagel civil et puis commissaire municipal Dimitri Era et puis après ça l'autre information qui gagne rapport ça inspecteur principal Paul Edi Amazan à commissaire police Pierre Osman Léand yo même qui c'était responsable en chef USP AK4SIM yo pas impliqué dans l'organisation sécurité des faits Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse t'est décidé à accorder toute confiance li avec même moun qui trahit yo. Ne rapport ça, NDDH bay quelques informations tout sous l'agent responsable ta jeune la CAI ancien président Jovenel Moïse. Et NDDH rappelé la CAI président gen en pile l'agent responsable te jeune Colombien yo tout te pote en pile l'agent lorsque après yo te fin posé zak la. Gen en pile l'agent tout responsable jeune sous Colombien qui te jeune l'amour dans échange de tir qui te gagné. Nous songer ça j'aime dit en échange de tir qui était ensemble avec force de l'audio gain 5 colombiens qui échappé yo même tout yo aller avec un paquet l'argent et instance qui là pour combattre contre corruption yo de mener enquête yo de mener investigation même si a mener investigation pour connaître qui est-ce qui a assassiné haut intellectuel assassiné président Jovenel Moïse mais gain instance qui a mené enquête sous question corruption yo même tout yo doit mener enquête par yo pour capable identifier côté l'agent ça yo l'agent jeune qu'ancien président Jovenel Moïse l'agent ça yo souti en fait si résumé rapport ça nous baou amis auditeurs information essentielle là un rapport ça Joseph Félix Badjo qui jusqu'à présent est considéré comme cerveau assassinat Jovenel Moïse t'es parlé à Premier ministre Ariel Henry avant et puis après Zach là et puis après ça gagné dans même rapport ça coordonnateur sécurité président Jean Lagel civil te gagne gros l'argent dans mail pour payer sécurité pour faciliter quoi à bien passer dans même rapport ça NDDH mande instance concernée qui là pour capable mener enquête sur question corruption capable mener enquête pour connaître côté pile l'argent yo jeune caille ancien président Jovenel Moïse côté l'argent ça yo sorti n'a toujours été sous même dossier ça avant nous allez, une question, tablement de terre, gagne, yon, article qui sorti dans New York Times, qui, fait qu'on est, ben, ça, un article, ça qui publié, pendant le week-end, dans le journal là, ben, y'a pas écarté possibilité pour, ancien président Jovenel Moïse assassiné dans le cause de trafic drogue. Journal là rapporté, responsable USGPN, Dimitri raté déjà son enquête pour trafic drogue dans quatre dossiers, bateau Manzanares, dans l'année 2015, côté yon, bon frère, président époque là t'es cité tout c'est un article qui est très long mais nous a fait un résumé pour vous pour capable gagner information et essentiel là sous article ça qui sorti dans New York Times pendant week-end commandant en charge à garde à domicile mon président haïtien t'est rapidement venu en suspect un assassinat c'est président Jovenel Moïse moi à passer lorsque équipe sécurité t'est pas longé doit li pour t'es capable empêcher nèg examen la
Lacaille, ancien président Pouté assassiné, responsable, ancien responsable sécurité président Dimitri, t'es déjà un suspect, t'es déjà un monde qui suspecte n'ayant fait drogue. Pays États-Unis tape une enquête depuis plusieurs années. Disparition, centaines, même yon milliers de livres cocaïne et héroïne qui été emporté par fonctionnaire compris quelques heures seulement avant force l'audio t'est venu pour capable saisir sa qui territoire. À présent, c'est quelques responsables internationaux qui tap assisté enquête soit assassiné un président, dit l'a examiné si les autres criminels ça pas aidé pour capable expliquer assassinat qui fait son ancien président Jovenel Moïse, responsable haïtien au même genre premier ministre pays d'Haïti, il a été reconnaître expliquer officiellement explication qui était présenté dans le jour qui fait connait assassinat dans le jour qui était suivi assassinat président Jovenel Moïse, ta amoué dans un complot élaboré pour capable pour un poste politique pas correspond tout à fait que vrai motif derrière là moi ça yo pour qu'a découvrir toujours. Haïti c'est un point transit majeur pour drogue, ce qui donc Haïti tant que c'est un pont pour capable pour drogue capable passer pour aller dans pays États-Unis. Un responsable américain yo ak Nations Unies a fait connaître commerce ça prospérer grâce à complicité un paquet politicien homme d'affaires puis même force lord qui abusait pouvoir yo. Jodi un responsable ancien responsable sécurité président monsieur Eraté longtemps un objet fait objet une enquête sur une plus grosse affaire drogue diète enquête drogue diète dans le pays d'Haïti, la corruption atteint plus haut niveau d'après sa quête. Mac Nichols, ancien agent direct qui était en poste dans le pays d'Haïti, déclaré elle a dirigé enquête agence sous cargaison drogue qui a été marqué. A fait ça, nous pour capable gagner une idée sous sac sous dossier ça qui ancien responsable sécurité ou bien ancien responsable USGPN n'a permet de gagner une idée sous dossier ça. C'est lorsque yon cargo qui battant qui était dans pavillon panaméen qui c'est MV Manzanares qui était yon port maritime privé dans capitale dans la qui était accosté dans capitale haïtienne qui était accosté dans pays d'Haïti en avril 2015. Responsable déclaré gen moun qui t'a débarqué marchandise là pas de t'a débarqué marchandise c'est des sacs yo pense c'était sac suite par a débarqué marchandise yo gen un sac yo qui déchiré là regardez là dans le sac ça yo c'était cocaïne avec héroïne qui était là dedans yo lorsque moun qui t'a débarqué marchandise yo ouais c'est cocaïne ben goumé pété dans mitan yo garde que sécurité qui t'a suivi espace ça tire les pour capable éviter monsieur yo éviter monsieur à l'ensemble avec cocaïne et puis héroïne. Lorsque sécurité ouais ça yo relé immédiatement monsieur Nichols j'ai noté de qui c'est yon nan moun qui t'a travaille nan qui travaille nan di nan pays d'Haïti et puis yo alerté to police antinarcotique haïtienne sous Zach ça sous ça qui t'a privé nan Paul. Mais avant même responsable ça arrivé gen deux jeep qui vini rapide sous quai jeep ça yo te gen la dans moun qui te porté uniforme garde présidentiel avec l'autre policier l'autre unité dans la police là au lieu de procéder ensemble avec arrestation monsieur ça qui était dans espace là au lieu de faire ça c'est yo prend sac cocaïne ak heroïne yo mettez dans machine là et puis yo gété aller avant même responsable dans autorité policier yo vinn dans espace là monsieur era membre force sécurité présidentielle à l'époque t'es passé l'ordre avec quelques gardes selon une témoin
qui New York Times interrogé, et puis et monsieur Nichols qui est arrivé environ 2 heures plus tard après action fin posée. Témoin non seulement parlé agissement monsieur Era non pour moi, mais tout il fait qu'on est majeure partie cargaison illicite là, jusqu'à 800 kg cocaïne avec 300 kg d'héroïne. Monsieur qui était dans Jeep là était déjà allé ensemble avec yo. Yo ancien responsable Nations Unies confirmé monsieur Era était monsieur Era non pour moi, et il était accusé comme quoi l'état n'a espace là. C'est un article qui vraiment long, nous te vloguer une idée sous ça qui dit hein, n'a praplos gain non seulement et responsable UGPN Dimitri Era, mais tout gain c'était un ancien beau-frère président époque là qui citait tout. Nous, c'est un article qui était long, nous permet de gain un résumé de article ça. Nous prenons nous nous s'accueillons avec réaction avant d'entrer dans l'autre dossier. Un avocat juge Wendell Cook qui qualifie aberration juridique. On est non Wendell Cook a cité non seulement dans ça mais tout dans rapport et en DDH là. Avocat juge Wendell Cook a qualifié aberration juridique à décision droit et tribunal première instance Port-au-Prince prend pour le déclarer incompétent qui voit dossier dans cabinet instruction. Maître Marc-Antoine Maisonneuve a annoncé auprès de l'attaque décision ça dans cour d'appel pendant le bail garanti il y a porté Victor côté Wendell Cook à reprendre activité normalement n'a pas mettre au côté intervention mettre Marc-Antoine Maisonneuve dans micro Romanes Sams. Nous avons effectivement et mis en évidence l'illégalité des mandats et des avis de recherche. Nous montrons tout le monde d'accord. Commissaire ministère public dans l'intervention, monsieur a seulement essayé de montrer que par le fait que le dossier a été déjà déféré au cabinet d'instruction, que le doyen ne peut se prononcer, le doyen ne peut fixer, ce qui est une aberration, attention, c'est une absurdité. Dès qu'on note, me fait sortir sur les réseaux sociaux, on qualifié, j'ai qualifié l'ordonnance ayant été rendue par le doyen d'une aberration juridique. Son tintin. Vous savez ce qu'a dit le doyen à travers son ordonnance? Bon, c'est une ordonnance dont le dispositif se lit de la manière suivante. Mais ça le dit. Par ces motifs, le doyen faisant office du juge d'habeas corpus se déclare incompétent en raison du statut de la requérante, ou elle pas dit magistrate, non, de la requérante dont le dossier est pendant au niveau du cabinet d'instruction criminelle. Et la renvoie, c'est PIAI, et la renvoie en conséquence à faire valoir ses droits par devant la juridiction compétente. Pour lui-même, la juridiction compétente, c'est le cabinet d'instruction. Bon, pour tout ça, maintenant, ça tout, besoin. Ouais, qui juge instructeur ça, qui pourra le permettre lui pour le tender magistrat Wendell Cook le bon. Nous factions, femme d'où, doyen Jean M. Doula, c'est qu'on s'est tranché. Et c'est presque tout palais du CIS là qui critique les œuvres ça, qui dit pas comprendre. Doyen 1, le doyen incompétent. 2, les mandats et les avis de recherche sont illégaux. Et femme d'où, bon, doyen, c'est. J'ai l'habitude de lui parler, je le respecte. Bah, les non. Mais ça m'a dit concernant tout doyen en général. Et nous avons déjà rédigé notre acte d'appel. Nous avons déjà rédigé la requête suivie de l'ordonnance. Nous faisons tout le bagaille, nous. Mais ordonnance doyen, mais le cabinet. L'enjeu ça au cabinet là, on se présentera par devant la présidente, la bonne ordonnance. Nous allons interjeter appel de cette ordonnance. Et bon garantie. Que n'a fini par inhumer ordonnance ça, n'a fini par enterrer, et que et pour madame qui a venu dans le pays à le vaquer activité. Le combat pour nous tout, madame de près ou de loin, il n'y a pas grand rien pour loin avec assassinat Jovenel Moïse. Donc,
Dossier tremblement de terre 14 d'août. La bilan victime au quotidien monté bois. Dernier bilan protection civile au palais de 2207 monde qui mourit. 344 disparaître, 12 000 blessés. Dans le communiqué, au mettez dehors tous. Cette opération juste nationalement de la population dans Grand Sud-là pour pas courir à réparer caillou. Au balgué plus d'informations sur ça, sous décision ça. 24 citoyens parmi eux, 4 6 monde qui étaient coincés dans le pic Makaya depuis tremblement de terre 14 d'août là. Sauti vivant à Yed dimanche là, protection civile précisée, c'est une équipe sauveteurs qui joue un citoyen sérieux qui pour un agronome cap travail dans zone non citoyen sérieux déjà après voir la soyaille campé. C'est un paquet monde qui continue à joindre la vie qui était en bas des combes qui y a autorité yo responsable à faire toute diligence pour capable joindre yo. On va aller avec information ça j'en nous dit ou dans un communiqué yo mettez dehors. Cette opération IGES nationale de la population dans le Grand Sud-là pour pas courir à réparer 4 mètres qui était passé 14 d'août là, endommagé au sans évaluation en TPTC. Dans un communiqué qui sorti, cette opération de la population dans le Grand Sud-là pas courir à réparer 4 tremblements de terre qui était passé 14 août là, tremblement de terre ça yo qui endommagé ça yo, dit yo pas courir à réparer ça yo. Un communiqué ça fait citoyen dit ça yo connaît c'est le ministère travaux publics fin évaluer yo kay c'est le ça secteur infrastructure qui en dan kounap connaît si pour kay ça réparer ou bien craser net dans même sens ça communiqué a rappelé gen ingénieur formé en dan MTPTC qui pour faire travail si là pendant ajouter gen un guide qui existe qui dit comment pour kay qui mérite réparer ou doit réparer cette opération geste national la mandé tout mairie ak autorité locale yo pour prendre disposition pour faire citoyen respecter mise en garde ça pendant annoncer la travaux public à préparer pour lancer dans jour qu'a venir là évaluation kay qui endommagé yo décision ça venir après information que t'a circulé gen moun kayo pat fin crasé qui dégager collé pied sur les pieds aller vivre là-dedans sans supervision MTPTC comportement ça te gen tout après 12 janvier 2010 côté moun yo construit net ou bien réparer kayo j'ai l'idée audio qui fait en pile moun passer gen yo malais pas dire n'importe au principe toutefois un autre implémenter ta fête. Gagné yon l'autre information toujours sous dossier ça ambassade américaine annoncé arrivé yon navi Arlington en Haïti ak 200 Marines. Objectif bateau ça c'est pour soutenir opération humanitaire à travers USAID d'après ambassade américaine. Après tremblement de terre là c'est en pile aide qui a venu en pays d'Haïti en pile pays décidé pour des aide yo gouvernement recevoir yon avion aide humanitaire pays Espagne aïe dimanche là si c'est d'un moment ça tout ambassade d'Espagne la table boucle trois l'année travail dans pays d'Haïti c'était occasion pour chef gouvernement promettre pour gouvernement l'a déjà bien géré aide ça malgré situation tout était difficile dans divers coins dans Grand Sud là Ariel Henry promettre un accord politique avant longtemps pour créer stabilité dans un pays en côté pour le ministre Ariel Henry dans micro Jean-Philippe Massé. Monsieur l'ambassadeur, je salue votre départ après environ 3 ans dans le pays et je profite de ce moment pour vous remercier du dynamisme et de la détermination dont vous avez fait preuve pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre la République d'Haïti et le Royaume d'Espagne pendant votre mission ici en Haïti. Aussi, le peuple haïtien est reconnaissant au Royaume d'Espagne pour sa coopération et son intervention dans différents secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'éducation, la pêche et autres. Ce matin, nous venons de recevoir un avion de votre pays, l'Espagne, contenant de l'aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021 qui a affecté plusieurs régions de la presqu'île du Sud et je vous en remercie donc vivement. Votre contribution remarquable aux efforts d'assistance au profit de la population haïtienne ne sera pas oublié. Monsieur l'ambassadeur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des partenaires internationaux et des pays amis, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Nous donnons la garantie à tous nos donateurs que nous continuerons à faire montre de rigueur et d'efficacité dans la gestion de l'aide à travers la direction de la protection civile. Le travail reste énorme
et nous sommes conscients des contraintes auxquelles nous faisons face en ce qui a trait à l'acheminement de cette aide aux sinistrés en regard des difficultés à atteindre certaines zones. En dépit de tout, nous multiplions au quotidien toutes les stratégies en vue d'atteindre le maximum de compatriotes en souffrance. Parallèlement, mon gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts afin de trouver dans les meilleurs délais un accord politique pour une gouvernance apaisée et la stabilité. Une fois de plus, je salue l'élan de solidarité et d'entraide de nos partenaires et je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Espagne pour la célérité avec laquelle il a eu à supporter son plein soutien à notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite tout le meilleur dans vos futures fonctions. Nous ne vous oublierons pas. Je vous remercie. Au tap côté intervention, Premier ministre Ariel Henry qui tape recevoir aide humanitaire pays Espagne hier dimanche là. Accordé aide humanitaire médical, il y a une enveloppe 250 à côté aide humanitaire médical, il y a une enveloppe 250 000 € qu'a joindre Croix Rouge haïtienne tout d'après ambassadeur pays Espagne puis Dos Santos Serrano qui rappelait pays a toujours collaboré avec pays d'Haïti sur la gestion de l'eau potable. Diplomate là souhaité pays a reconstruit après situation difficile ça. On côté elle n'a Jean-Philippe Massé. L'Espagne ne va jamais cesser d'appuyer Haïti, qui nous considérons un partenaire très important dans notre coopération. Comme vous le savez déjà, nous avons répété beaucoup de fois, l'Espagne est active dans trois domaines de la coopération. Dans les domaines principaux, avec la DINEPA, l'eau et l'assainissement, et nous faisons aussi beaucoup dans l'éducation. Nous avons appuyé la construction des écoles et des CFACAP dans les pays. Et encore la production agricole et la lutte contre la faim. Enfin. Nous sommes très contents de cette collaboration avec la DINEPA. Et c'est pour ça qu'il faut dire, nous avons déjà dans les pays quatre plantes de potabilisation de l'eau qui sont déjà installées et en fonctionnement à l'asile. Et il y a trois autres plantes qui sont dans les dépôts de la DINEPA. Et une cinquième plante qui vient d'arriver dans l'avion que nous venons de voir. Nous travaillons ensemble avec l'Union européenne. Il faut le dire, l'Espagne est un pays actif et très important dans l'Union européenne. Et nous avons adopté la formule Team Europe, alors équipe Europe, pour collaborer avec nos collègues de l'Union européenne qui sont là pour présenter toute cette aide au peuple haïtien. Président Croix Rouge haïtienne Guito Jean-Pierre qui te présente tout dans le salon diplomatique pour remercier pays Espagne pour don ça qui peut aider au faire face à la situation urgente ça. Docteur Jean-Pierre rappelé Croix Rouge a toujours été disponible pour servir population en côté déclaration de l'ami Jean-Philippe Massé. Bon, nous là surtout c'est pour encore une fois remercier l'Espagne au travers du gouvernement espagnol, la Croix Rouge espagnole, la ICID aussi pour tout le support que vous faites pour appuyer le mouvement qu'a fait là, le mouvement humanitaire là. Nous surtout là pour nous remercier en voix qu'a fait matin, surtout ça va nous permettre d'augmenter l'action de la Croix Rouge en réponse à l'appui en eau et assainissement, surtout pour le volet assainissement. Merci à pile pour kit de cuisine que vous voyez pour nous. Plus de 400 pour permettre nous. Vraiment très efficace en termes d'appui à plus de 500 familles, les tarpaulins qui font partie du pouvoir. Ça aussi va permettre nous aider des familles, en plus des plantes de potabilisation d'eau, cadeau de l'Haïtienne, pour la Croix-Rouge haïtienne, pour le peuple haïtien. Donc merci pour tout l'ambassadeur, pour tout ce que vous faites pour Haïti. La Croix-Rouge est là, auxiliaire des pouvoirs publics, pour apporter tout l'appui nécessaire au gouvernement haïtien, dès que le gouvernement haïtien fait appel à la Croix-Rouge. Mais merci au nom de l'humanité, nous allons continuer à avancer ensemble pour que la population victime, les sinistrés, pour les aider à se relever le plus rapidement possible de cette situation dramatique, vraiment qui cause beaucoup de tort, beaucoup de au pays. Mais merci, merci encore, ambassadeur. Vice-secrétaire général adjoint ONU, Amina Mohamed, visité pays d'Haïti vendredi passé. Diplomate là qui te rend dans le site pays a dit constater souffrance avec faiblesse peuple haïtien cap souffri. Amina Mohamed félicité travail équipe gouvernement à Koun qui veut porter une réponse ordonnée by victime. Diplomate là souhaité peuple haïtien doit et croit peuple haïtien doit mettre tête ensemble et puis pour capable reconstruire pays. Un côté Amina Mohamed. Of the UN system to the people of Haiti and to the government and expressing solidarity in this tragic moment of the earthquake.
nos condoléances de la part du système des Nations Unies au peuple haïtien et exprimer notre solidarité en ce moment tragique. We saw once again the incredible resilience of the Haitian people who have suffered so much and are now mobilized to support their neighbors and communities in the aftermath of the earthquake. Et encore une fois, nous avons constaté la résilience incroyable du peuple haïtien qui ont tant souffert et qui sont encore une fois mobilisés pour apporter leur soutien à leurs voisins et aux communautés environnantes après cette tragédie, ce séisme. During my visit, I have met, of course, with His Excellency the Prime Minister, but also with representatives of civil society and our UN partners here in Haiti. Durant ma visite, j'ai rencontré le Premier ministre et les représentants de la société civile. Premier ministre Ariel Henry, merci, secrétaire général adjoint Kevin Noël, DG l'État Grand Sud, chef gouvernement bail garanti avec support Nations Unies, a prévu satisfaire besoin victimes dans le sud pays, même si travail en pile. Ariel Henry félicité communauté internationale pour collaboration pendant le promettre, il a bien géré et d'un côté, Premier ministre Ariel Henry. Madame la vice-secrétaire générale, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes condoléances pour la mort d'un de vos consultants, un jeune consultant qui est décédé au CAI à la suite du tremblement de terre. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement en Haïti et de vous être rendu sur le terrain pour constater par vous-même l'ampleur des dégâts, ce que les chiffres et les statistiques ne permettent pas de s'imaginer. Votre visite m'offre l'opportunité d'avoir de fructueux échanges sur la situation difficile que traverse le pays. J'étends ensuite mes remerciements à tous les membres de la délégation qui vous accompagnent. Je vous prie de transmettre mes remerciements au secrétaire général des Nations Unies et aux pays membres pour la disponibilité